France qui se lève, qui conteste, qui refuse. La France qui proteste, qui veut savoir. C'est la France joyeuse, curieuse et érudite. La France de Molière, qui tant se bâtit contre l'hypocrisie. Celle de La Fontaine, celle de Stendhal, de Balzac, celle de Jaurès, celle de Victor Hugo et de Jules Vallès. La France de l'invention des chercheurs, celle de Pasteur, celle de Denis Papin et de Pierre et Marie Curie. La France des lettres, celle de Chateaubriand, de Montaigne. La France de la poésie, celle de Bucer, d'Éluard, de Baudelaire, de Verlaine et celle d'Aimé Césaire. La France qui combat les totalitarismes, tous les racismes, tous les intégrismes, l'obscurantisme et tout le manichéisme. La France qui aime les mots doux, les mots d'amour, et aussi la liberté de dire des gros mots. La France qui n'en finira jamais de détester le mot soumission et de choyer le mot révolte. Oui, oui, ma France à moi, c'est celle des poètes, des musiciens, celle d'Armstrong, celle de l'accordéon, celle des chansons douces, des chansons graves et des espiègles, des humoristes, des moqueuses, ou celle truffée de mots qui font rêver d'un amour que l'on n'osera jamais déclarer à celle qu'on aime. Ma France à moi, c'est celle de Picasso, de Cézanne, et celle de Soulages, celle d'Ingres, celle de Rodin. La France des calembours, des bidochons, celle de la paillardise, aussi bien que celle du chant des partisans. Ma France, c'est celle de Daumier, celle de l'assiette au beurre, du sapeur camembert, celle de Chaval, celle de Cabu, de Gosfield, de Ciné, celle du canard, de fluide glacial et de Charlie. Drôle, insolent, libre. Ma France, c'est aussi celle des dictées de Pivot, celle de Karlsfeld, c'est celle de Léopold, Ségard, Sangor. La France des enfants du paradis et des enfants du Veldiv. Celle de la mode libre, celle de la danse, des flirts et des câlins, celle de la musique douce et des rocs déjantés, celle de la gourmandise. Ma France à moi, c'est une France capable de renvoyer dos à dos la Bible et le Coran si lui envie lui prend d'être athée. Et oui, ma France est une France libre, fraternelle et éternellement insoumise au diktat de la bienséance. Il n'est qu'en respectant toutes ces diversités qu'on arrive un jour à vivre la douce France de traîner. Celle qui m'a toujours plu et que notre jeunesse lucide et combative fera perdurer par-delà les obscurantismes. Figure révolutionnaire emblématique durant la Commune, le père Duchesne écrivait au frontiste du journal qu'il publiait en 1793, La République ou la mort. Son journal coûtait un sou, mais on en avait pour son argent.